Monde, c'est le truc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc, j'ai l'intention de faire un petit let's play sur Fab, enfin un walkthrough, walkthrough. Voilà. Et donc Fab que j'ai déjà fini l'histoire et que j'ai déjà joué quand même 20 heures les 15 derniers jours, enfin 20 heures au total quoi. Donc j'ai déjà fini l'histoire et tout, mais en fait j'ai fait exprès de déjà faire l'histoire pour justement faire un let's play que ce soit pas trop long, parce que l'histoire est quand même déjà assez longue. Donc je vais m'appeler comment, donc en faisant ça, en ayant déjà fini l'histoire, je connais à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. Et par exemple, si vous voulez... Attendez, je baisse un peu le son, parce que là, c'est un peu fort. Voilà. Voilà, je sais plus qu'est-ce que je disais. Voilà. Bon, j'arrête pas de dire voilà, parce que mon prof de philo, en fait, il dit tout le temps voilà. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui auront besoin, par exemple, de quelques... Putain. Au cœur des forêts d'Albion se nichait la petite ville d'Oakval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. Allez, debout. Encore à rêvasser, hein? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Eh bien... va donc trouver ta sœur, tu veux bien? Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields, et tu ne lui as pas encore offert de cadeau. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Oakval. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y, et évite les ennuis. Se retrouve encore une fois, et j'ai l'impression que mon putain de jeu a des gros problèmes graphiques. Putain, il se passe quoi encore? Oh là 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 là. Merde, désolé. Alors, petit problème technique. Je vous constate que mon début est totalement merdique. Je sais pas pourquoi le graphisme sont pourris comme ça. Eh ben voilà, Fab a cessé de fonctionner. Donc pour voilà, donc j'ai réussi à régler le petit problème graphique. Donc je vous concède que mon début est totalement merdique. Donc j'avais vérifié que le micro était allumé, donc vous avez dû attendre un gros bout. Donc Fab, premier du nom là, The Lost Scepter, est un jeu sorti en 2005, et sérieusement, moi j'en suis tombé amoureux. Et sérieusement, pour un jeu de 2005, les graphismes, je les trouve totalement, vraiment... C'est génial, quoi. Donc, comme vous l'aurez découvert dans mon début de merde, même si j'ai pas beaucoup de vues, ni de... de gemmes, etc, etc, en fait, je vais m'amuser à... Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'il me dit. Quand j'aurai entendu parler de... Ouais, voilà. Donc, je reviendrai au gameplay. Je vous rassure, dans mon gameplay, il n'y aura pas que des... Quoi? Mais j'étais juste... Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord? Ma femme est à la maison avec les gosses, mais un homme devrait pouvoir faire ce qui lui chante. Je vais te dire, si tu gardes ce secret... Ne dis rien à ma femme. Donc voilà. Je disais, même si j'ai pas beaucoup de vues ni de gemmes, je pense que je continuerai à faire ma série, puisque...
D'ailleurs, s'il y a un abonné ou 50 abonnés qui suivent mes vidéos, je pense que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a au moins quelqu'un qui suit et qui puisse apprécier ce que je fais, quoi. Donc voilà. Bon, je vais pas recommencer avec les voleurs. Si vous pouvez taper les poules, vous avez vu. Et aussi, même si j'ai pas beaucoup de vues, au moins c'est quelqu'un dans YouTube qui commence à taper dans sa barre de recherche aide fable sur telle quête ou telle quête. Enfin, excusez-moi, sur les quêtes principales, il pourra avoir de l'aide. Parce que voilà. Aussi, je pourrais vous donner quelques astuces, genre pour moi c'est quoi la meilleure arme de fable, etc. Même si j'ai joué que 20 heures, quoi. Il ne tient pas en place. Donc là, en fait, Fable, au début, vous êtes un garçon. Vous êtes un garçon de... Bon, bah, je peux pas le savoir. De... Bah, je sais pas, je dirais genre... 7-8 ans, quoi. Qui doit faire des bonnes ou des mauvaises actions. Et Oh, ta gueule. Donc, à force de faire des bonnes ou des mauvaises actions, il deviendra soit un bienfaiteur ou un malfaiteur. Mais où est donc mon bon Ariane de mari? Avec une femme, je parie. Ah, t'as bien vu. Je gère la maisonnée, j'élève ses enfants, et qu'est-ce que j'ai en retour? Rien, dis. Si tu le trouves, préviens-moi. Bah, je te préviens. Parler à la femme de son mari fidèle. Bah, je vais faire une bonne action parce que je suis un gentil. C'est bien vrai. Je vais en faire de la pâtée pour Balverine. Merci de m'avoir prévenu, jeune homme. Bon, au passage, là j'ai accompli une bonne action, donc ça fait une petite tête d'ange. Et comme vous voyez là, j'ai un genre d'auréole au-dessus de la tête. Et quand vous avez fait plein de bonnes actions, à la fin du jeu, bah, vous avez une auréole vraiment sur la tête. C'est vraiment trop classe. Par contre, quand vous êtes un démon, vous avez des cornes. Donc là, vous avez plus 2. Attendez que j'attrape ce gros porc. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle dit, mais c'est abusé, ce jeu, il est trop bien fait. J'en suis vraiment, je suis devenu fan. Le jeu date de 2005, mais vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va lui dire, je m'en souviens plus trop bien. Espèce d'ordure, devrait te les couper. Ne me déshonore plus jamais. Ma mère avait bien raison. Mais ma chérie, je peux tout t'expliquer. Si tu crois que je vais cuisiner et laver pendant que tu prends du bon temps avec ta cata, tu te trompes lourdement. Donc là j'ai déjà fait une bonne action. Donc salut, fiston. Aussi vous aurez bon vu dans la... À ta soeur, oh, d'accord. Toi, dans la cinématique vous aurez vu que je dois accomplir 3 bonnes actions pour avoir 3 pièces d'or pour acheter un cadeau à ma soeur. Donc le début, je vous l'accorde, est un petit peu fastidieux. Loué soient les dieux. Pourrais-tu me rendre un service, mon gars? Oh mon gars, tu peux me rendre un service, wesh. Je dois... la nature m'appelle. Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise? Je dois... pioncer, hein? Restez là et surtout, ne bougez pas. Je placerai un mot en votre faveur en rentrant. Je reviens vite. Donc là, j'ai le choix d'après entre... D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs. Vite, voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pendant son absence. À moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette. Viens, allons donc casser là, en les gros, trucs. Vous voyez, j'ai une petite auréole d'ange, j'ai un sablier. Donc si je tu fais rien planté là comme un et, que je surveille ce petit con qui gueule dans mes oreilles... C'est si ennuyeux d'être gentil. Je ferai une bonne action. Alors que si je vais avec lui pour tu péter des pas tonneaux... Casser des trucs plutôt. Et ben là, j'aurai une mauvaise action et ça, c'est pas bien. Allez, on a le temps avant qu'il revienne. Gueule. Merde. Pourquoi ça? Oh bah là vous voyez, j'ai commis une mauvaise action. Pas drôle. Oh là là, ça craint. Quel petit con. Donc là, mon grade il doit être retombé à neutre du coup. J'avais gagné 2 bonnes actions, là, Shadow Noël. Très bien, fais donc tes bonnes actions. Le début il est vraiment... Vous allez voir, le début il est vraiment chiant. Par contre, quand on arrive vers le milieu du jeu, je vous assure que... Donc là vous devez vous dire, putain c'est un vrai commentaire une merde. Excellent. Je dirai à ton père quel bon gars tu as été. Merci. Vous avez accompli une bonne action. Donc là, je suis roi plus 2. Et donc en gros, il manque une troisième bonne action. J'ai perdu Rosie. Je dois changer son rembourrage, mais je ne la trouve. C'est un mignon petit ours en plus. Donc là, vous voyez, j'accélère un petit peu les pièces, parce que si je suis parti comme ça, le Wolfou, il va durer au moins 5 heures. Espèce de putain. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il parcourt la ville et casse la... Tu as l'air fort. Ah oui, je suis fort. Je veux... Oh, oh, waouh. Pardon, je vais le laisser tranquille, mais me frappe plus, s'il te plaît. Gros soumis de la vie. Merci,
Merci de l'avoir arrêté. De rien. Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi. J'attends qu'il se taise. Donc, le personnage tout au long du jeu, il parle jamais, en fait. Voilà, encore une bonne action. Et vu qu'il parle jamais, bah, des fois, c'est un peu comique. Parce que on va voir quelqu'un, mais c'est comme s'imaginer qu'on est dans la vraie vie. En fait, vous allez voir quelqu'un, puis il vous parle comme ça, il vous raconte sa vie, vous dites rien. Bah non, mais c'est le seul point bizarre du jeu, je trouve. Bon, allez, je vais acheter mon petit truc, là. Je suis un homme de parole. Voici pour tes bonnes actions. Mais si tu crois que je vais fermer les yeux sur ce méfait, tu te écoutes. Évite les enfants. Alors, as-tu assez d'argent? Oui, j'ai assez d'argent. Bon, allez. Excusez-moi de passer vite fait les scènes comme ça, mais... Ça, c'est pas très intéressant, de toute façon. Ça non plus. Donc, en gros, je crois que je vais assez commenter tout au long du jeu, sauf quand il y aura des cinématiques. Donc pour un jeu 2005, vous pouvez me dire votre avis en commentaire, genre si vous trouvez que les graphismes ils sont bien et tout. Salut gars, une petite fille m'a dit que tu avais... Il se trouve que je... Pour 3 pièces d'or... Allez, on voit. Ils sont à toi. Voilà, merci. Là en gros, si vous avez pas compris... Diable, je vais l'attraper. Si vous avez pas compris ce qui s'est passé là en fait... C'est que... Je t'ai eu, petit sacripant. Il paraît que tu commets de mauvaises attitudes violentes envers une ou plus. Ce comportement n'est vrai. Si tu étais plus vieux, ce serait... Tu dois prendre conscience de... J'en reste là cette fois. Donc, je disais, je passe vite les scènes, parce que sinon, ça va vraiment prendre trop de temps. Mais ce jeu-là, vous me direz si vous trouvez qu'il est bien fait ou quoi, parce que moi, je trouve vraiment qu'il est bien fait. Bonjour, cher petit frère. J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était, comme l'an dernier. Désolée de t'avoir réveillé cette nuit. J'ai encore fait l'un de ces rêves. J'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé. Mais je ne sais pas quoi. Mais on s'en fiche. J'attends toujours mon cadeau. Dis-moi. Je savais que tu m'offrirais des chocolats. Comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Donc cloche. Je vais vous laisser découvrir ce qui va se passer. Un truc pas très gai. Attends, il y a un problème. Bandy ! Chut ! Quelle horreur ! Les voilà ! Tu dois te cacher ! Quelqu'un ! Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt leurs corps jonchaient les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Oh. Donc voilà. Vous avez remarqué que le début du jeu, il y a vraiment beaucoup de cinématiques. Alors, ça peut saouler, mais vous me direz
s'il y a quelques personnes qui regardent, si vous voulez que je laisse ou que j'enlève les cinématiques. On aura des mots quoi. Pour un RPG de 2005, sérieux. Je me demande bien vraiment il est combien sur comme note. Donc je vais la regarder ça tout de suite. Donc là encore une nouvelle cinématique qui va arriver. Papa! Bon je parle pour lui vu qu'il dit jamais rien. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein? Non. Bien. Donne-moi la main. Tu veux un bonbon? C'est bon les bonbons. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Allez. Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Sérieux? Il n'y a plus rien pour toi à Hogval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. Allez, viens. Je m'appelle Maz, et je dirige la guilde des héros. Tu as dû en entendre parler. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Sinon, pour petite information et votre culture personnelle, Albion, nous c'est l'ancien nom de l'Angleterre. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. Là, le début... Ma première vidéo, je crois que sur ce... Ça va vraiment être que des cinématiques, parce que... Le début, il n'y a que ça, quoi. J'ai un nouvel élève pour vous. Youhou. Conduisez-le dans les dortoirs, avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi, alors. Donc aussi pour la durée des vidéos, je vais essayer de pas faire trop court ni trop long, parce que si je fais trop court, il va me falloir au moins 50 épisodes, donc je pourrais même faire une vidéo. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez vous reposer. Vous commencez demain. Faut se réveiller. Tu dois être mon partenaire. Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Et je suis routière. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... C'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Toi non plus, si tu n'y vas pas. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. Suis-moi. Donc là, vous découvrez à peu près les lieux. Là, c'est la salle de cartes. C'est là où vous aurez toutes vos quêtes pour... On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. Bah, vu que je connais quand même le jeu, vu que j'ai passé un certain temps dessus, ça va aller vite pour retrouver les endroits et tout. Et les premières quêtes, je vais les faire quand même, enfin les quêtes annexes quoi, parce que elles sont faciles à faire et puis bah ici c'est là où je vais déterrer ma prochaine épée. Bon, je vous en dis pas plus. Et elles vont vite à faire et puis elles rapportent des points de grade ou je sais pas comment ça s'appelle. Putain, je peux pas toujours personnaliser mon héros là. Non, je vais faire vite fait 2-3 quêtes secondaires qui vont assez vite. Comme ça en plus vous verrez fonctionnalité. Donc les touches, alors clic droit pour courir, clic gauche pour taper, espace pour maintenir quelqu'un et le frapper.
Écoutez, vous pouvez taper n'importe qui. Pouvez-vous m'aider ? Je dois faire, mais je n'arrive si vous... En gros, là, elle me demande de lui chercher 4 pommes. Et... pour faire des pirouettes, c'est... Hop. Enfin, après, vous pouvez faire plein d'émoticônes et c'est... d'émoticônes d'émotions, et c'est ça qui est drôle dans Fab, genre... des proutes et tout, quoi. Enfin, pour l'instant, il fait encore des petits roues, mais quand votre personnage évolue, il fait des... Les archers s'entraînent ici. Je préfère le bâton. Alors là, elle m'a demandé 4 pommes. Je vais chercher ces 4 pommes. Je suis pas méchant. Voici les bois de la guilde. Plein de scarabées géants. À courbe. Bon, aussi, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, limite, il se sent obligé de vous parler, quoi. Voilà. Les domestiques vivent. Alors, direction ZQSD. M'avez-vous dégoté ? Merci. Merci beaucoup. Prenez ce... Voilà, tarte aux myrtilles. Putain ! En fait, j'ai eu qu'une tarte aux myrtilles, quoi. Abusé. La merde. Oh, chien. Putain, je suis vraiment débile. Je l'ai bouffé, en plus. Il est beau, ton arc. Ouais. Et je vais dire un autre vous truc avez aussi. Réussi à vous séparer de votre oreiller. Alors le jeu voyons coûte si vous possédez le moindre potentiel. Le jeu il coûte que 9€ sur Steam et franchement il vaut le coup. Je veux que vous frappiez ce mannequin et aussi fort que possible. 16/20, vous voyez, c'est continuez. Vraiment pas un jeu je de merde. Vous dirai quand arrêter. Ça c'est la note de la rédaction, mais les lecteurs ils ont mis 18 quoi. Enfin ça vaut pas non plus Skyrim, mais bon il était fait en 2005 quoi. Skyrim, lui, il a été fait... Vraiment... Voilà, quoi. Je me demande, il est combien ? 18 et 18. Ouais. Enfin, il est de 2011, il y a 6 ans d'écart. Donc là, c'est bon, je connais quand même tout ça. Donc là, il explique que pour taper le mannequin, bien, il faut ces faire... ont l'air plutôt. Clic droit, clic gauche. Donc là, j'ai un bâton. Pour m'en équiper, j'appuie sur A. C'est un peu mieux. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. Ramassez-les, c'est très important, sinon vous n'apprendrez rien. Ramassez cela. Donc ça, oui, c'est une orbe d'expérience qui, travail. Qui va vous permettre plus demain, tard de, nous pourrons... d'augmenter votre force. C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. Je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème. Quand vous aurez fini, nous parlerons de votre entraînement. Cinématique de merde. Vous pouvez sur F9. Ok. Alors F9. J'ai même pas crié qu'il disait ça. Donc je disais il coûte 9€ sur Steam et franchement il en vaut le coup parce que 9€ c'est un petit investissement comparé au plaisir que vous... Ah des barres. Vous prenez à jouer. Je viens de découvrir une nouvelle touche. Enfin une nouvelle touche, une nouvelle fonction. Donc le début il est vraiment rempli de cinématiques et ça... C'est vraiment casse-couille. Pourquoi le c'est bleu. Donc l'émission du début, il n'y a vraiment rien de méchant. Hein. C'est limite ennuyeux. Mais les missions d'après, oh là là. J'ai trop hâte que le jeu il avance un peu parce que là... Donc aussi, je disais, Fable, c'est basé sur les choix que vous faites. Genre si vous voulez vraiment faire le bien ou le mal. Et quand vous êtes... Bien joué, garçon. Ah, là, 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 là. Les scarabées sont tous morts. Tais-toi, vous pouvez sortir des bois. Donc voilà, cinématique de merde. Et quand vous avez... Quand vous choisissez le côté du bien, vous avez des pouvoirs spécifiques au bien. Et quand vous choisissez le côté du mal, des côtés spécifiques au mal. Pareil, vous avez des armes spécifiques au bien, etc. Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà. Vous avez bien mérité un peu voilà. d'argent de poche en récompense. Voilà. Voilà. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Il me prend pour quoi ? Un pyjama ? Dès lors, le petit garçon vécut pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Oakval le taraudait, mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement.
il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice, ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde, ainsi que Mars l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. Voilà. Là, vous voyez, le héros, il a un petit peu grandi. Enfin, un petit peu beaucoup même. Et je me demande si on peut voir son âge maintenant. Ah ouais, personnalité. Donc là, il a 18 ans. Même s'il le fait pas du tout. Enfin, perso. J'espère que je ressemble pas à ça. Donc aussi, pour les touches, je vous ai pas raconté, mais pour examiner des choses et tout, c'est tab. Enfin, la touche tabulation qui est au-dessus de la verrouille de mage. Donc là, je vais le faire en speed, quoi. Parce que ça fait déjà une trentaine de minutes que je crois que la vidéo est lancée. Enfin, un coup d'œil. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. J'aimerais pas faire un let's play trop pourri, du coup, bah... Encore ouais. En retard. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'elle m'énerve, elle. Tu es capable, fermier. Fermier. Elle me prend pour qui, elle, là, hein. Un coup de chance, ah ouais. Ça, c'est un coup de chance aussi. Soyez attentifs. Ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Oh, c'est tous une les folle. Coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Ça veut dire que c'est une merde. Donc là, on explique comment on part. Donc c'est comme ça. Allez, viens. Ah, allez, viens. Allez, viens. Viens. Ça ne marche pas à chaque fois. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Bon, tu fais quoi, toi? Ne bouge pas quand je frappe. Bloquer ses attaques, il va. Non mais je voulais me foutre de sa gueule en fait. Eh, pourquoi il fait ça? Bien. Voyons si vous pouvez combiner attaque et défense. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Oh, et respect, s'il te plaît. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur? Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Moi. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Let's go. Donc une chance. Allons, fillette. Plus haute la garde. Oh ouais, tu prends pour qui? Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Alors, et au sujet de votre performance? Excellent! Combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait. Il y a la Parkinson ou quoi? Voulez-vous refaire l'entraînement de mêlée? Bah non. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. Donc là, le jeu commence à être un petit peu moins merdique. Enfin, merdique, il est pas merdique du tout, mais... Je veux dire que... On peut s'amuser, là.
Donc là, normalement, je vais pouvoir passer mon examen de mêlée. Youhou ! Mais il n'y a pas l'examinateur. Bah, ah là, peut-être ? Non. C'est plus tard. Ah, j'ai peut-être un petit... Ah non, peut-être le voilà. Ah, le voilà ! Toi, viens, allez. Là, en fait, j'ai passé l'examen de mêlée. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? C'est le dernier jour. Ce combat en mêlée contre Whisper compte, donc. Allez, voulez-vous être élu ? Whisper et vous, montez sur le ring. Même règle qu'avant. J'ai un prix spécial pour vous, si vous obtenez un A+. Bah moi, je vais obtenir un A+++. Comment ça s'est... C'est bon, vous pouvez arrêter. Kayon, c'était très impressionnant. Whisper sera vexé. A+. À ce niveau, je peux vous offrir une nouvelle arme. Comme mon groupe sanguin. Katana de fer. Est-ce qu'elle est bonne, hein, cette arme-là? Arme. Arme de mêlée. +2. Bon, c'est toujours ça. Ah oui, si pour changer d'arme, il faut faire comme j'étais là dans le menu. Êtes-vous prêt pour votre entraînement à l'arc? Ah oui. Continuons l'entraînement avec l'arc. Commençons par voir si vous pouvez toucher les 3 cibles immobiles. Je me prends pour un neuneu. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Je te mets même attention à bien rester dans le cercle. Alors... Merde, faut que je prenne mon arc déjà. Ensuite, verrouillez la cible. Donc là, il le dit pas tout de suite, mais sinon, pour viser en mode comme ça, il faut... Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Robin. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Quand tu veux, le vieux. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. Okay. La cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points. Souvenez-vous... Plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous valez. Allez, là, sortez votre arc. Il explique comment on doit faire, là. La cible de derrière est quand même chaude à toucher. Oh merde, j'en ai un Google là. Merveilleux. Putain, la cible de derrière est trop chaude. Maître de la guilde, un homme puissant. Oh magnifique, dans sa tête. Je vois, le maître de la guilde est là. Merde. Putain, j'essaie d'avoir le site du fond mais j'arrive. Putain, je me trouve comme une merde. Pas passer loin. Bon choix de tir, surtout pour une première tentative. Merci. Même si pas ma première tentative. Mais bon, enfin longtemps. Non. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Ah là, parlez-moi quand vous serez prêt à continuer l'entraînement. Je serai sur l'île près des cascades. Moi, je vais me faire évaluer. Allez, le vieux. Bon, je vais attendre de l'inspecteur. Bon, il arrive quand cet inspecteur? Je vais me faire évaluer. Ah bah le voilà. Mon scope. C'est quand même plus chaud sans viser. Y a-t-il des apprentis pour une... Le maître de la guide.
Si vous obtenez un plus, vous avez une minute. Allez, à compter du premier tir. Donc je vais essayer de placer le premier tir dans la... Go! Ah non! Putain, je me suis troué, ça fait chier. Putain, moi plus je le veux. Putain! Bien! Putain, mais genre... Ah oh bah là, c'est sûr que j'ai pas de A+. Eh là, sérieux, c'est vraiment pas servi de sa tête, pourtant. Il me reste 18 secondes, allez, place-le, place-le. Bon, là, j'ai pas de A+, ça c'est clair. Pas mal. Allez, je vous mets... Mais vous pouvez tout... Le maître... Allez, s'il te plaît. Si vous obtenez, vous avez une minute. Donc là, je perds du temps, un truc de fou. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Putain ! Alors que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai eu le A+ du deuxième coup. Splendide ! Je passe pour un gros demeuré, là. Dans la tête du dernier, ça fait des points. Excellente puissance. Allez, viens. Pas mal joué. C'est excellent. Putain, mais vous pouvez toujours ça craint, le ça. De... J'ai l'air d'un gros gogol. Si plus, vous avez une... Eh, regardez ça. C'est pas possible. Ah là, je la cible de derrière. Ça fait mal. C'était superbe. Ou dans la tête. Ouh. Je crois que là, le plus je le tiens. Ou pas. 30 secondes, allez. Dans ta tête. Mais non. Mettez plus de puissance. Oh non, mais ça me saoule. C'est presque passé à travers. Waouh, nouveau record atteint. A plus. Je n'ai jamais rien vu de mieux. Je vous mets un A+. Merci. Le maître de la guilde a dit que je pouvais remettre ceci au plus brillant. Eh bien... Arbalète. J'aime pas trop les arbalètes, mais bon. On fera avec... Maintenant, je dois aller tester ma volonté. Quelle leçon pour Whisper. Putain, ça fait déjà dans les 50 minutes que j'y suis. Ah, je fais quand même mal l'arbalète. Let's go. Il nous reste la volonté. Donc là, j'espère que vous aimez bien cette vidéo. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Bien. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. Quand tu veux. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île.
Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Yo ! À partir du premier, je suppose. Hein ? Merde. Mana. Rechargez votre réserve. En fait, c'est que le truc, c'est quand je les touche, les mannequins, ils se retournent. Du coup, bah, je perds du temps. Excellent usage de la magie. Trop bien. Dans ce cas, non. Pourquoi j'ai fait répéter Vous allez apprendre. Autiste, je dis autiste. C'est... Putain, mais j'avais déjà pas de temps à perdre, là. J'aurais fait 16 points quand même. Votre réserve de volonté. Bien. Excellent usage de la magie. Allez, c'est bien, allez, passe. Il faut que j'avance dans le jeu. J'ai pas envie de mettre 50 épisodes. Très bien. Vous avez appris les 3 disciplines de héros. Cool. Nous pouvons maintenant passer au test final, si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. Non, c'est vrai. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. C'est quoi cette invitation ? Hein ? Souhaitez-vous d'abord jouer avec Whisper ? Jouer. Je serai dans la salle de la carte quand... Parce qu'en fait, là, si je faisais continuer au lieu de jouer, j'allais le suivre lui. J'allais passer à l'âge adulte, alors que moi, je vais me faire évaluer pour la foudre. Parce que je suis un maître de la foudre. Et ouais, mec. Bon, je suis un fou. Attendez, je vais jouer avec Whisper, je vais tuer des méchants. Quelle leçon pour Whisper. Ah bah, tu m'étonnes. Donc aussi, si le son du jeu est trop fort ou allons trop bas, chasser. Vous me le dites. Parce que... Par exemple, si le son de ma voix, la place de son du jeu, elle est trop décalée, genre... pas assez ou trop, je veux dire. Le nid de Scarabée est... Attends. Dieu. Tu as entendu? Ça vient de par là. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseigné, je te soignerais si tu es blessé. Mytho. Ah, tchot. Merde. Oh, dans sa tête. Je vais attendre qu'il tire sa flèche. Oula. Oh là, c'était l'arrache, là. Bien joué, on a réussi, you. On a l'air de deux gros autistes. Let's go. Bon allez, maintenant je vais passer mon test de la foudre et puis je passe à l'âge adulte. Je vais pouvoir être un homme. Oh, oh, oh. Quelle leçon pour Whisper. Ah, arrête de la ridiculiser, la pauvre. Quelqu'un pour un entraînement. Moi. Vous avez 30 secondes à partir du point. Vous savez qu'un A+. Ah bah là, son prix spécial, t'inquiète que je vais l'avoir. Ah,
Putain, j'ai plus de mana. Je crois que pour avoir le prix spécial, il faut avoir au moins 15, et là je suis déjà 18 ans, en fait. Incroyable, bon sang de bois, ça vaut A+. Le maître de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'épreuve de volonté. Je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous. Oh merci, ça me touche. Bon là il y a des quêtes annexes comme vous voyez, mais si je fais vraiment toutes les quêtes annexes, c'est pas parce que je veux pas les faire, c'est juste que... Pff, allez, au bout de 50 épisodes d'une heure, on n'est pas encore fini. Maître de la guilde. Le garçon assimila les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus à apprendre. Pendant des années, la guilde fut son foyer, son école, sa vie. Mais à mesure que le temps s'écoulait, ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. La vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arrachée. Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son entraînement. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin. Il deviendrait un héros. Pour passer le diplôme, vous devez réussir une dernière épreuve. Allez dans les bois de la guilde, jusqu'au tronc sur la colline. L'épreuve vous y sera révélée. Bonne chance. Donc là, je vais faire l'épreuve et je pense qu'on pourra se quitter sur cet épisode. Alors là, je vous préviens tout de suite, le premier épisode, ça va vraiment être, je pense, le plus chiant. Parce que là... Il y a vraiment rien d'intéressant à faire. Alors que les autres, je parie que bien. Tu te demandes comment passer l'épreuve finale. Non, je sais. C'est simple. Déjà. Tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris. L'épée pour commencer. Frappe-moi si tu peux. T'es mort. Ah, bravo. Bravo. Bien. Maintenant. Ah, j'ai utilisé quoi là? Putain, j'ai pas entendu. Ah, l'arc, je crois. Merde, pourquoi je rote? C'est dégueulasse. Bravo. Le 2. C'est vraiment de mieux en mieux. Allez, bats-toi. Allez, plus que deux, puis après ce sera la magie. Allez, plus qu'un. Excellent. Pour terminer... Sors de la foudre. T'es mort, mon gars. Ah, ah. Ça suffit. Très impressionnant pour un novice. Pour un nous. Les vrais combats sont beaucoup plus dangereux, bien sûr. Tu as réussi l'épreuve finale. Le maître de la guilde va donc te remettre ton sceau de la guilde. Oui. Donc là, en fait, ça va être la fin de mon adolescence dans le jeu. Je vais devenir un homme. Et je vous assure vraiment que mon premier épisode, ça va être vrai. Si vous avez aimé, bah c'est bien parce que c'est plus ennuyeux. Si vous avez pas aimé, c'est quand même d'en regarder les autres parce que... Eh bien, c'est je le grand jour. Il y a des cinématiques. Je me souviens du jour où vous êtes arrivé. Maz avait raison de croire en vous. Allez, venez. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin, la partie la plus ancienne de la guilde. Que s'approchent les apprentis. Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. Ou qui les terrifieront. C'est une époque troublée.
Les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent. Vos choix, qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien, changeront la face du monde. Prenez votre sceau de la guilde, vous êtes des héros. C'est le jour du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire. Je pense que ça doit être la fin. La preuve, le héros... Bah merde, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais quand même... Vous devez d'abord choisir... Ah, okay. Vous avez choisi la force. Non, ah, vous avez choisi... Maintenant, choisissez le sort que vous voulez apprendre. La puissance magique augmente votre capacité à emmagasiner le mana. Sort physique... Ouais, je sais pas. Je crois que je vais prendre quand même la... Bon allez, on va pas faire le fou. Soyez attentif à la diminution de vos réserves d'expérience. Je n'ai plus grand chose à vous enseigner, mais si vous avez besoin de conseils, je serai là. Et votre sceau de la guilde me permettra de vous parler à tout moment. Vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à dépenser. Je vous ai fourni des fournitures de base. Cela devrait vous suffire pour un moment. Vous avez tout un monde à explorer. Donc voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'ai eu un checkpoint. Choisissez-vous. Okay. Prenez la carte. Ça va être bon. Donc, je vous dis merci de... si vous êtes toujours là. Ouais, logique, si vous m'entendez. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour un épisode beaucoup fois mille, fois plus passionnant. Donc merci beaucoup et à la prochaine.